C'est un beau duo là qui va venir. Oh là là. Mais avant, il va venir tout seul. Ouais. Tu te rappelles de Corinne Hermès qui avait gagné l'Eurovision en 1983. On s'est parlé dans la loge voilà, tout à l'heure. Elle a fait un duo avec Herbert Léonard sur le nouvel album. Le nouvel album qui est là. Voilà. Ça s'appelle Les Instants Magiques. Exactement. Si j'ai pas de mémoire. Il y a les tubes et plein de reprises. Il y a Pour au diable. Je le sais puisque c'est moi qui chante. Il y a des chansons de Dassin. Il y a Toutes les filles. Il y a plein de tubes. C'est une très bonne idée d'avoir repris toutes ces chansons. Mais quand même, pour faire plaisir vraiment à tout le monde, il va venir d'abord tout seul pour chanter Quand tu m'aimes. Quand tu m'aimes. Ouais. Et puis derrière, la petite Corinne va arriver. Et puis on va faire comme depuis le début de cette soirée, on va se faire plaisir. Et peut-être que si c'est un slow, je vais danser avec On va voir. Ma copine à côté. On parlait de quoi enfin, je te dirai après. Allez, on y va. Herbert Léonard et Corinne après. Yes. Viens vite, mon Herbert. Oh, la peste. Fébrilement je t'attends, je suis en manque de toi, je me languis de ton parfum. Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves, dans un délicieux va-et-vient. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Je découvre en toi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, lorsque tu déloues tes jupons soyeux, moi je m'engloutis au fond de tes yeux. Ta gorge et ta sang, des buissons secrets. Et voilà ma petite Corinne. Ne résiste pas quand le son t'appelle, quand tout s'éclaire autour de toi. Ne résiste pas, cours vers la lumière et laisse faire la vie qui va. Juste quelques notes de musique. Viens partager toutes mes mélodies. Ces instants magiques, c'est la musique. Oui, la musique ne résiste pas. Laisse-toi aller chanter la musique. Oh oui, la musique qui guide nos pas. Toutes les années pop dans tes veines et elle t'entraîne là tout près de moi. C'est tellement bon de jouer ensemble, oh, car oui, on se ressemble quand ça sonne comme ça. Elle donne un sens à nos vies, toujours fidèle quand elle nous a choisi. Tout le temps elle vous tourne autour et c'est bien la plus belle histoire d'amour. L'instant magique, c'est la musique. Oui, la musique n'y résiste pas. Laisse-toi aller chanter la musique. Oh oui, la musique qui guide nos pas. Laisse-toi aller chanter la musique. Oh oui, la musique n'y résiste pas. Laisse-toi descendez, mes enfants, descendez. Corinne, ça fait plaisir de réentendre cette voix. Et mon Herbert qui fête évidemment 50 ans de carrière lui aussi.
50 ans après. En fait, tu chantes. J'ai mis un pied dans le monde du showbiz pour la première fois le 6 janvier 1966 avec un groupe qui s'appelait Les Lionceaux. Et on faisait du Beatles en français, c'était osé quand même. Et alors l'album, là, il y a des reprises, bien sûr, mais il y a tes chansons à toi, il y a Pour être sincère, il y a Petite Nathalie, c'était beau. Oui, c'est des chansons que j'ai voulu rechanter, et puis il y a beaucoup de chansons que j'ai enregistrées au fil des années et que je n'avais jamais sorties. Alors, c'est pour ça que l'album s'appelle Mise à jour, c'est-à-dire pour les 50 ans, je voulais mettre tout ça à plat. On a envie de ça. Et puis les chansons qui sont passées à l'époque au dos des 45 tours, exactement. Tu sais qu'on n'écoutait pas. Et puis tout à l'heure, on va en écouter une qui était une deuxième phase de la deuxième phase de Mirza. C'est une chanson qui s'appelle Flagrant délit, qui a été un énorme tube au Québec et qui n'a jamais marché en France. Au Québec, il fait un carton. Ouais, et toi, ma Corinne, l'Eurovision, c'était en 1983. Alors c'était 83. Petite parenthèse, Patrick, je voulais juste dire qu'effectivement, après l'Eurovision, eh bien, j'ai commencé ma carrière avec Herbert, parce que ma première tournée, c'était avec Herbert. Avec Herbert. Et oui, vous n'êtes pas connu il y a 15 jours, donc il n'y a rien de sexuel là. Oui. Avec toi, jamais. Alors évidemment, c'est pour ça que je suis vraiment très très heureuse vraiment d'avoir fait ce duo avec Herbert. Et nous, on est très très heureux de vous voir tous les deux ici. Et puis on va se précipiter là-dessus pour tous les fans d'Herbert, de Corinne.